Dans chaque refrain, ils reprennent la même chose. Toi qui pars à l'étranger, qui pars en exil, tu reviendras. L'idée qui trotte dans la tête de chaque Algérien, c'est gagner de l'argent, envoyer à sa famille, puis rester un temps réduit et retourner en Algérie. Or, malheureusement, la plupart, on est venu à 17 ans, ici à Lyon, pour travailler 6 mois ou un an, et notre jeunesse a disparu. Et le retour ne s'est jamais payé. وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي. À 43 ans, je suis venu, c'était en 58. De génération en génération, notre lieu de référence pour la communauté algérienne de Lyon et de ses environs, c'est ici, c'est la place du Pont. C'est le lieu où les gens viennent prendre des nouvelles de leur famille restée en Algérie, puisqu'il y a toujours un mouvement de va-et-vient entre la France et l'Algérie. Malheureusement, ces bâtiments en béton ont un petit peu dénaturé l'histoire de ce quartier. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à déloger la communauté ou les gens qui, traditionnellement, se retrouvent à la place du Pont. Salam alaikum. Oui, je suis là. واش درت من الدنيا فيها جيت متاعي ما درت والو درت خدام في الوزين ولا في الباتيما لا خدام في الوزين وي وما مع واش مالا تولي تروح لبلاد شوف نكتب راني مريزيرفي ابري اونفير نو يعني باش تروح ديفينيتيف ولا تقعد هنا لا لا كيما انتوما وي ولا تحبوا مالا نولي كيما انتوما ان شاء الله اذا كان ولا كتب ولا نكتب نكتب غير روحوا كل Ici à Lyon, à 80%, c'est des gens qui viennent de l'Est d'Algérie. C'est-à-dire la région de Sétif, en grande majorité, il y a très peu de gens de l'Ouest qui sont installés sur Lyon. Je suis un vrai sétifien, je suis d'origine sétif, parce que la région sétifienne, c'est-à-dire Sétif et la région, presque ils font le 80%, 75% de la communauté musulmane algérienne, ici en France, ici à Lyon. Il y avait beaucoup des gens de mon patelin, quoi, que je connaissais, ils étaient ici. Et c'est pour cela que je suis ici jusqu'à maintenant. En 52, quand je suis venu ici en France, c'est une question de vie, parce que là-bas, on vivait dans une misère noire. Ah ben, je travaillais à 6 francs par semaine. 6 francs, hein, 6 francs. 5 plus 1, c'est tout. Si t'es pas content, tu prends un coup de pied dans le cul, puis c'est fini. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et puis, je parle pas d'autre chose. Si vous avez un problème ou quelque chose, vous n'avez jamais raison. Que ce soit devant le tribunal, au commissariat, les voisins, tout ça. C'est un arabe, puis c'est tout.
Et, ouais, et c'est pour la raison qu'il y a eu la révolution. Vous voyez? Le mépris, tout ça, c'est... Le mépris, il n'est pas acceptable vis-à-vis de l'individu, parce que vous êtes un homme comme tout le monde. جبنا النعناع ميرسي هاك انا اخبر هاك رمضان قريب ان شاء الله رمضان قريب مازال بعيد Notre association, c'est une association de conseil pour essayer un petit peu d'aider ses compatriotes à faire valoir normalement leurs droits. Là, c'est la première génération, c'est-à-dire les gens qui sont venus dans les années 40, 50, 60. Et la plupart sont illettrés, pour le dire, malgré qu'ils ont passé une trentaine d'années en France. Moi-même, j'ai eu la chance d'une famille de 14 enfants d'être le seul scolarisé en Algérie. Et lorsque je suis venu en France, le samedi et le dimanche, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 50, 60, 70 lettres que j'écrivais à la main pour donner des nouvelles de la personne immigrée et à sa famille. Et puis en même temps, lorsqu'ils reçoivent des lettres, c'est moi qui leur traduisais, lire ce que leur famille leur demandait ou leur disait pour les traduire. Enfin, je suis allé à l'avocat à Koshi Gouldek. Si ta belle-sœur dit c'est moi plena, ou le marat a dit que plena, et puis qu'il n'y a pas de. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez justice. Pas une fois encore. Il a un jugement. Il a toutes les papiers avec lui. Et sa femme a voulu faire valoir ses droits à la retraite. Et puis la surprise, c'est que la caisse, la CRAM, la caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, a refusé donc de donner suite à cette demande en prétextant qu'il y a une personne qui a le même nom, le même prénom, la même date de naissance, la même filiation, qui bénéficie déjà d'une retraite. Et il s'est avéré que c'est sa belle-sœur qui a, lorsqu'elle s'est mariée, elle a utilisé l'acte de naissance de sa femme. Alors c'est tellement confus que même la justice n'arrive pas à trancher puisqu'il vient de m'informer. Elle a travaillé pratiquement depuis une trentaine d'années. Hein. Donc elle a droit à une retraite. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et sa femme ne touche pas un centime. Au niveau du bassin de Rhône-Alpes, c'est pratiquement dès la fin de la Première Guerre mondiale, à partir des années 1918. Oui, il y a beaucoup d'Algériens qui ont été incorporés dans l'armée française. Et puis, à la fin de la guerre, certains sont restés ici. Et puis, la France se reconstruit après donc, les destructions causées par la guerre. Et elle avait besoin de main-d'œuvre corviable et serviable à merci. Et là, donc, on a vu apparaître les premières vagues donc, d'immigration. Puis petit à petit, à partir des années 20-22, on a vraiment vu une véritable communauté de travailleurs algériens qui s'installe à Lyon. عندك هاد القناطر هادو ما كانش غيبهم من الماء اي غيبهم راه ماهي صح كانت وحده فريده اي وحده فريده وتا سلخها كل وانتم ما صنعتوهم هادو هنا خدموا الالمان تهدم وانتم هنا خدموا كي صد هو جينا هنا نخدمو
C'est un foyer qui a été d'abord mis à disposition des travailleurs migrants dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au retour des guerres, ceux qui veulent rester en France travailler, donc leur lieu de résidence est ces foyers. La majorité d'entre eux ont leurs enfants en Algérie, donc ils font la navette, quoi. Ils ont 3 mois ici, 2 mois en Algérie, passer quelques temps avec leur famille. C'est 62, ça fait 40 ans. Oui, 40 ans. D'accord, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. ديتوه البلاد؟ ايه ديتوه البلاد كساعة جاء عيط الازمات جاء الدركتور وجاءوا البوليس وجاءوا الطباء عدوا عليه ديتوه البلاد الله يرحمه كبير هو؟ ايه كبير في لانطريت ولا ما بلا رتراتعكم تنجموا تعيشوا مليح في البلاد لا؟ ايه ولكن وقت ولا صورة سيسواني ولي سواني اللي الاسوان ما تقلبلوش هنا الاسوان ما على بالكش الاسوان ما تقلبلناش الاسوان اللي هي Les nouvelles conventions algéro-françaises, la sécurité sociale ne rembourse pas les soins qui sont dispensés en Algérie. Donc, comme ils sont suivis médicalement, ils ont la carte vitale, ils ont la plupart d'entre eux, ils ont le passeport santé, alors ils préfèrent rester la plupart du temps ici pour bénéficier donc, de ces droits. قليل وخلاص قليل والله قليل الحمد لله بصح الواحد يحمد ربي وكي تروحوا للبلاد الهيته واش الدوار نتاعكم الجماعه لا فامي نتاعكم تحسوا روحكم زي اخر لا بس واش ما زي اخر كي توصلوا سماع قدام ولادكم كاينين كنروحوا للعرش العرش نتاعنا العباد نتاعنا يقولوا لي ميغري يسمونا لي ميغري احنا لهنا احنا هذا الخدام هذو نتاع المهاجرين هذو ما حكمناها هنا ما حكمناها له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Moi, je suis venu en 1958 en France. J'ai l'impression d'être à cette époque. Il y avait les centres nord-africains qu'on appelait à l'époque. Le plus grand centre s'appelait le centre nord-africain de la Pardieu. Et c'est là où on parquait pratiquement l'ensemble des travailleurs qui venaient d'Algérie. Dans chaque chambre, il y avait 120, 130 personnes qui vivaient avec un espace très réduit. C'était vraiment quelque chose que moi, je n'oublierai jamais. Parce que je l'ai vécu, j'en pleurais tous les soirs. Il faut comprendre les gens à l'époque. C'était des analphabètes qui vivaient dans une situation très difficile en Algérie. Des gens qui sont spoliés, qui sont utilisés pratiquement pour rien par les colons, il faut dire ce qu'il en est.
Moi, je me rappelle que mon père travaillait dans une ferme, il gagnait pas d'argent, il gagnait un quintal de blé par mois, et puis des fois, il peut se débrouiller quelques œufs ou un morceau de viande ou un agneau pour pouvoir faire vivre la famille. On était 16 à la maison. Mais on voyait les immigrés qui rentraient à l'époque, qui venaient nous dire, oui, en France, c'est la belle vie, c'est le travail, l'argent. Nous jeunes, on croyait que c'est la vérité. Mais lorsqu'on arrive ici, c'est pratiquement le contraire. Au fur et à mesure, nous avons vu apparaître une nouvelle forme d'immigration, c'est l'immigration familiale. Ça a donné comme conséquence l'implantation de bidonvilles, surtout à la périphérie de Lyon. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, avec le recul du temps, comment nous avons pu accepter de telles conditions. Mais on était dans une situation de dominés, d'indigènes. C'était ça ou rien du tout. Lorsqu'il y a eu la résorption des bidonvilles, des ghettos, il y a eu ce qu'on appelle les grands ensembles qui ont été construits. Soi-disant au départ avec un seuil de tolérance de 10 à 15% de travailleurs migrants, mais par la suite, ces cités ont été laissées à elles-mêmes et se sont retrouvées dans les années 70 pratiquement occupé que par la communauté maghrébine et notamment la communauté algérienne. Vous les femmes, intraitables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Rio La Paz, la ville où j'ai grandi pratiquement. Adi. Salam alaikum. Là, on est dans la banlieue lyonnaise. J'ai passé le plus clair de mon temps, toute ma jeunesse, avec des super copains. Kamel, Jamel, Malek, hier, avec Abdallah, Rachid, Rabat, Salah, Al-Rahmou. Si tes rêves sont des rêves, personne prendra la relève. C'est lui, le Et t'as déjà fait un CD, non encore? Il y a un CD 4 titres qui doit sortir bientôt normalement. On va aller faire une tournée au bled bientôt. Hein? On va aller faire une tournée au bled. Ah ouais? Ça serait bien. Ouais. Là, j'ai été au mois de mai là-bas. Hein? Pas de beurre parce que j'aime t'as pas été au mois de mai. Et t'as fait quoi là-bas? Bah, j'ai passé une semaine là-bas, j'ai été voir ma femme. Où ça? Ma future épouse. Tu t'es marié là-bas? Ouais. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Quand on va là-bas et qu'on prend une femme là-bas, c'est une femme qui tient son rôle de femme. Parce que là-bas, il y a plein de choses qu'il n'y a pas ici. Il y a les valeurs, il y a la famille. Il y a plein de valeurs, des choses qui ne sont pas financières ni matérialistes, mais des choses qui sont perdues ici, dans ces pays modernes. Parce que ici, c'est plus pareil. La femme européenne, c'est... Il y en a, mais... Là-bas, une femme, ça reste une femme. Et toi, Rachid, t'as épousé une femme européenne ou... Ouais, moi j'ai épousé une Française. Une Française, t'as épousé? Ouais. Et ça n'a pas bloqué au niveau de la famille, tout ça, non? Non, non. Le fait que tu épouses une européenne? Non. Ça n'a pas posé de problème? Ben non, pas du tout, parce que j'épouse bien ce que je veux. Ouais. Non, mais je sais pas, tu sais, des fois, les familles... Ouais, c'est sûr qu'on a des mamans qui veulent pouvoir parler avec leur fille bien, du moins avec leur belle-fille, pardon, on va dire en arabe, peuvent avoir une complicité. C'est important, ouais, au niveau de la communication. C'est sûr qu'avec, ça serait une Algérienne ou, on va dire, une Maghrébine, ouais. Il y aurait peut-être plus de... Il y aurait plus d'affinités. Plus d'affinités. Elle est convertie dans la religion, ou, je veux dire, elle fait le ramadan. Ah ouais, exact. Ah ouais. Je te parle de ça, Rachid, parce que je sais que toi, t'étais bien...
bien la religion musulmane que tu pratiques. Quoi. Ouais, ouais, t'es pratiquant, c'est pour ça que je te pose ce genre non, de questions. Non, mais elle est venue à la pratique bien avant moi. Ah ouais, ouais. Maman, tu m'ouvres, s'il te plaît. Hein? Non. Oui. Oh, c'est lourd, là. Ça... Allez, rigole. Non, non, il veut pas, il veut pas. Laisse-le. Allez. Lodi, oui. Fais du sphinx. Non, je sais pas faire. Non. Mais encore une fois, ce sera pour le thé, tout ouais. Ça, vas-y. Du sphinx. Ça fait du café, Lodi? Ouais. Amène les trucs. Les verres et tout ça. Tu veux faire dodo, toi, et tu veux pas le faire? Il est pas à lui, celui-ci. C'est à lui, il faut savoir que mon père est venu dans les années 73 avec ma mère. Donc mon père n'a pas été chassé par la faim en Algérie, comme la plupart des immigrés. Oui, j'étais pas riche, j'étais pas pauvre. J'étais, si vous voulez, un patron, un petit patron à Mostaganem. Quand j'ai quitté l'Algérie, quand même, elle était pas mal. Voilà, il y avait de tout, mais après, ça a commencé à se détériorer quand... ils ont fait la réforme agraire, ils ont fait... Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je vais quitter, et puis ça y est. Malgré, on aurait pris l'indépendance, mais j'aurais bien voulu que les Français restent avec nous. Et ça aurait mieux marché que tout seul. Parce qu'on s'est trouvé tout seul, on s'est trouvé la bouche ouverte, et on n'avait pas des gens compétents. On était habitués, nous, avec les Français. Ouais, nous, on a grandi avec les Français. On a grandi avec les Français. Ah, nous, on n'est pas. Les voisins, on n'a pas 20 ans, nous. Les voisins là-bas, c'était des Français. C'était hein. Des Espagnols, des Juifs, des Gitans. On avait de tout là-bas. D'ailleurs, moi, j'ai fait l'école française avec. Mélangé, quoi. Les petits Algériens et les petits Français. Et on a grandi ensemble. On était comme ça. C'est pas comme ici. Hein. Chacun, il ferme sa porte, il a peur. Quand il vous voit comme ça, il a peur. Attention, c'est un Arabe. Ah non, là-bas, non. On ne savait pas qu'il y aura une guerre. On serait, qu'elle nous partage. Ouais, on ne savait pas qu'il y aurait... Parce qu'on est partagé, une... nous, en deux. Il y aurait une guerre et comme ça... Et... Non, on savait pas. Et on pas part de ça. L'Algérie, etc., etc. Il y a quelqu'un qui vient vers nous, dit, on n'aime pas les étrangers ici. On n'aime pas les étrangers. Nous, on est chez nous. Il n'est pas bien dans sa tête. Voilà, j'étais vers lui, parlant par respect, je lui ai dit, on t'emmerde. Ça, je lui ai dit. Je suis venu vers lui, je lui ai dit, monsieur, on t'emmerde. Nous aussi, on est chez nous. 130 ans, la France, elle est restée chez nous. Vous croyez que vous êtes français, vous? Pur français? Hein? Dites-moi quel nom que vous avez. Les jeunes, ils sont nés là. On dit, tu n'es pas français. Tu es d'origine algérienne, tunisien, marocain. Pourquoi on lui dit ça? Il ne connaît pas l'Algérie, il ne connaît pas la Tunisie. Moi, j'ai mon dernier fils, si vous le lâchez à Oran, il ne connaît rien. Il ne connaît, connaît pas le pays. D'où ils savent ces jeunes, d'où ils savent là-bas. Salam alaikum. Tu vas bien? Hein? Sors du boulot. Ouais, je suis fatigué là. Tu fais quoi en ce moment? Je travaille à Ronpoulin, Carodia là. Hein? C'est bien, bien. C'est bien? Juillet, août. J'ai fiancé, faut du pognon, hein? T'as raison. Ah, mais c'est Nabil! On t'a reconnu! Il est petit. Il شوفي لك تحضري بالعربية نا tu parles que le français, il faut que tu apprends à parler aussi l'arabe. Tu es une fille arabe. Tu es une fille des arabes. Mais tu habites la France. Tu es française ou arabe? Les deux. Les deux, les françaises et arabes. Yeah. Voilà, je rentre dans une boulangerie pour acheter du pain. Et en rentrant, après moi, deux dames européennes, c'était des coopérants, on avait des coopérants en Algérie.
Elles sont rentrées, le boulanger les a vues. Tout de suite, il leur a servi sur le comptoir deux gros pains marrons. Moi, j'ai jamais vu ce pain. J'ai demandé en arabe au boulanger, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ce pain? Il me répond en arabe, khobz sigla. Khobz sigla, c'est le pain de seigle. Alors moi, je réponds en français, yeah, c'est ça le pain de seigle? Alors le boulanger, il regarde les dames, les françaises. Il leur dit, oh, la mémé qui parle français. Je regarde le boulanger, je lui dis, ça vous étonne que je parle français? Il me dit, oui, comment? Une mémé qui parle français. Je lui dis, écoutez, fiston, à l'époque où moi, la mémé, je suis née, il y avait déjà la France qui avait planté ses racines dans le sol algérien. Si je parle français, c'est que j'ai vécu au milieu des Français et j'ai étudié le français. Et si j'ai demandé après ce pain, c'est que souvent j'ai entendu parler, mais c'est la première fois que je l'admire. Alors la dame, elle me dit, madame, où vous avez entendu parler de ce pain? Je la regarde un moment et je lui dis, c'est Victor Hugo qui parle dans ses œuvres. Je vous cite un petit paragraphe d'une poésie. Ces pauvres orphelins qui grelottaient de peur et de froid dans la nuit noire et qui sont nourris que d'un morceau de pain de seigle qu'on appelle le pain noir. Victor Hugo. Elle n'a rien dit. Alors je regarde le boulanger et je lui dis, alors, ça vous étonne que la mémé parle français? Il n'a pas dit ça. Mais toi aussi, chez toi, tu étais bien. Ah oui. Ah, tu habitais bien. J'étais tu mangeais bien. Moi, j'étais chez toi. J'ai vu commencer. Voilà, tu étais bien, alhamdoulilah. Tu avais des tapis arabes au plafond. Voilà. Tu avais des matelas jusqu'au plafond. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. Jamais, jamais, au grand jamais, j'ai eu la moindre idée de quitter l'Algérie. Pour quitter l'Algérie, c'était impossible pour moi il y a 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière. J'étais professeur d'anglais à Oran, je vivais très bien. Et suite, bien sûr, aux événements qui avaient commencé en Algérie en 88, le terrorisme, les assassinats, et moi, comme j'étais engagée politiquement, et surtout dans les associations de femmes à Oran, je ne me sentais pas en sécurité. Donc, je suis arrivée à Lyon en octobre 94. Et vous comprenez pourquoi. Je ne veux pas en parler et m'étaler là-dessus. Les femmes se battent en Algérie et j'étais parmi ces femmes qui se battent. On demande l'abrogation totale du code de la famille. Je suis divorcée, je prends ma fille et mon enfant à charge à 100%. Le père ne donne rien du tout, ne voit même pas son enfant. Et au moment de la faire sortir de l'Algérie, on me demande l'autorisation paternelle. Mais c'est là, ça c'est de la démence hein, de nos autorités algériennes. Écoute-moi, il y a des associations de femmes qui se battent pour ça en Algérie. Le calme, c'est pas toi, parce que toi tu es honnête, tu as été à l'école, tu as beaucoup étudié et tu sais qu'est-ce que c'est. Mais il y a des gens qui savent pas. Elle sort d'Algérie, elle amène ses enfants pour faire la débauche ici. Non, non. Ça, c'est pas... Ah ben oui, il y en a beaucoup qui ont emmené leurs enfants et elle les fait traîner à droite, à gauche. Mais là, ah ben, non, c'est... Ça, non. Ah ben le gouvernement, ils ont raison. Non, non, non. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Qui s'en occupe pour les enfants. Mais on parle pas de ton cas à toi. Pas non, c'est mon cas. C'est le cas de milliers de femmes algériennes que je connais quand même. J'étais dans une association et on a travaillé dans ce sens pour l'abrogation du code de la famille parce que c'est un code qui nous rend mineurs à vie. Même si j'ai 100 ans et j'ai envie de me marier, il me faut un tuteur. Et ça, c'est vraiment ridicule. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. C'est ton pays, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Si tu veux, tu veux pas, c'est comme ça. Si tu veux pas partir en Algérie, tu restes là. Voilà. Ta mère, c'est une charretière. Tu es obligée de partir, tu arrêtes. Bien sûr. Ah, regarde. Bien sûr. Regarde comment elles sont, les charretiennes. Elles sont belles. Elles sont belles. Ah, ben, ah si tu vois comment elle était ta mère. Mais écoute-moi, tu peux rien faire. Là, avec l'attention pour rien du tout. Quand je suis venue à Lyon, j'étais à Saint-Fons. C'est une banlieue de Lyon.
et qui regroupe une forte majorité de Maghrébins là-bas. Mais par rapport à moi, il y avait un décalage. Parce que c'est un quartier où tout le monde se surveille, ça jase. C'est même pas la mentalité de la ville algérienne, mais c'est la mentalité de la campagne. Mais une grande partie sont restées vraiment dans les années 60. Mais tu es secrète. C'est quand même le secret. Ça, on est tranquille. Bien sûr, vous êtes tranquille. On est bien, oui, on est bien tranquille. Mais chaque fois, elle est vous l'avez reçu, vous l'avez tardé. Rien. L'IA, on connaît. Haoudi. La dernière patate au zit, il faut que je te patate. C'est vrai. Oh là là. Et واحد النهار قاعدين حتى قالت لي maman tu te rappelles quand on était arabe à Saint-Fons? mais ma fille on est toujours arabe. Non, elle m'a dit moi je suis française. Ouais, ben elle a raison. Elle est née là. Quand on était arabe à Saint-Fons, regarde, c'était la banlieue. Mais vraiment moi parfois je suis radicale. Ayant vécu plein de choses en Algérie, le terrorisme, ceci cela, j'ai eu peur qu'on inculte des choses à Camilla. Par exemple, une fois, elle a vu les filles avec le foulard et tout, des gamines. Elle a essayé de faire comme elle. Bon, je lui ai dit, non, tu vas évoluer dans un milieu moderne. Je ne veux pas reculer 15 siècles en arrière. Aïe, aqraïli, alhamdou. Aïe, gouli, bismillahi, rahman, rahim. Bismillahi, rahman, rahim. Alhamdoulillahi, rabbal alamin. La prochaine fois, fils, je t'apprends un autre verset. N'alimakhtani, wahdakhra. ولا عود برب الناس ملك الناس اي حتى اخرى يا سلامه محمد انا عليا مش زيد وضعي شوية ضيب. إيه سبب ما تريد تعيش. مصودة ولا مصودة؟ مصودة. ولا مصودة. مصودة. La plupart des femmes d'origine maghrébine ne sortaient pas beaucoup de chez elles. Elles n'étaient pas occupées. Et on s'est dit, on va essayer de monter un groupe qui s'appelle Famille et Savoir. Et il ne faut pas qu'elles restent enfermées, parce que tout ce qui se passe dehors, ça nous touche pas. Parce que nos enfants, ils vont grandir là. Nos petits-enfants aussi vont grandir là. Il faut qu'on prenne un peu une responsabilité. Mais ce n'est pas facile, quoi. Le premier voyage qu'on a fait, c'était Paris. On s'est dit, on connaît notre culture qu'à travers des problèmes, qu'à travers des choses un peu négatives. On s'est dit, on aimerait bien aller à Paris visiter l'Institut du monde arabe. Mais au début, c'était pas ça. Hein. C'était dire si je peux, hein, parce que c'est pas sûr que je peux partir deux jours, laisser mon foyer, laisser mes enfants, voilà. Moi, je vois personnellement avec mon mari, au début, c'était dur. Alors qu'il est né en France, qu'il a toujours vécu là, au début, c'était dur. Hein. Et on est parti deux jours, on a laissé quand même les enfants, les époux, la ZUP, on a tout laissé. Et on a parti pendant deux jours et ça a été vraiment inoubliable. Quoi. Moi, je suis arrivée en 59. J'ai amené mon enfant, il avait 40 jours jusqu'à présent. Il n'est pas en train. Et on fait le va et le vient. On ne peut pas abandonner notre pays. Et tous mes enfants, ils sont grandis là. Et puis il y a des années aussi qu'on a dans notre tête ce rêve, ce retour au pays. Donc on construit là-bas, on met toutes nos économies sur ce retour-là. Donc c'est un projet. Aujourd'hui on s'est dit c'est non. Donc notre vie elle est là. Donc il faut faire le deuil, il faut arriver à dire que notre vie elle est faite auprès de nos enfants. Elles sont nées ici. C'est des citoyens français avant tout. Les femmes, c'est hypocrite, c'est pas bien. Les hommes, vive les hommes. C'est vrai qu'un ami homme
tu peux compter sur lui. C'est pas un hypocrite. Il va pas te trahir, toi. Non, une femme, c'est vrai. C'est vrai qu'une femme, il y a certaines femmes, pas tous. Mais oui, monsieur, je regarde moi aussi. Mais la prochaine fois, à 6h, à 7h, quand tu viens sonner, Yamina, descend, on va rester un petit moment. Je vais te dire, va chercher ton copain, ton ami. Je pense pas entrer définitivement moi, en Algérie. Parce que j'ai mes enfants ici. Moi. Là où ils sont mes enfants, je reste. Non, mais c'est faux. Moi, personnellement, j'ai une fille. Ah ben, elle ne peut pas trouver du boulot. Elle n'a pas de boulot. Il a dit, quand vous allez vous demander un travail, donne-leur un prénom européen. Il a dit, je ne veux pas renier ma race quand même. Ils me prennent comme je suis. On a été déracinés quand même. Quand on quitte un pays, quand on est là en France, on est mal aimé. Quand on part dans notre pays aussi, voilà les émigrés qui arrivent. Quand on est mal accueillis aussi, quelque part. Et voilà, et nous, les mères de famille, eh ben, on souffre à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on se groupe comme ça, pour oublier un petit peu nos soucis, les soucis de nos enfants. Allô, ça va alaikum, Mouran? Oui. Ah, alhamdoulilah, ça va. Bah ouais, si tu veux, on peut se retrouver au Times, ouais. Mais moi, tu vas faire le Maghreb là-bas, tu vas faire la prière là-bas. À côté, d'accord. Avec la vraie limonade. Bien sûr. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi? Quand t'étais petit, ton père l'a fait comme tout le monde. 12 gosses, il a pris de la premier prix chez Koda, là, ou Cora, ou je sais plus qui. Et maintenant, tu me fais des manières. Ça, c'est comme Kamel Gros quand il m'a dit je prends mon pain chez l'autre, il vote FN. Il me dit, je prends mon pain chez lui. Je lui dis non, pourquoi tu boycottes pas? Il me dit non, la qualité, c'est la qualité, je prends chez machin. Mais moi, j'estime qu'une personne qui est raciste, que quand elle vient, elle peut pas avoir ta gueule, elle va pas avoir mon argent. Voilà, exact. Voilà, c'est tout. L'autre, la qualité, c'est la qualité. Zarma, t'as grandi avec la qualité, t'es né dans un château. Et les hommes de banlieue, comme nous, t'as mangé de la cassola, tu viens me prendre la tête, là. Moi, un jour, un mec, il est venu voir ma mère. Ma mère lui dit, écoute, monsieur, il y a de l'humidité dans la maison. Ouais. Il vient, il regarde, il va dans la chambre, un F5. Il va au fin fond de la chambre. Il lui dit, madame, je pense que c'est parce que vous faites trop de couscous. Attends. Il me dit, monsieur, madame, je pense que c'est parce que vous faites trop de couscous. Dans la chambre? Ouais. Comme si ma mère cuisinait dans la chambre, tu vois? Ouais. Comment tu veux que ma mère, elle dit, mais je comprends pas, les Français sont racistes ou quoi? C'est malheureux à dire, moi je critique pas. Mais moi, j'ai un mec, il m'a dit, j'ai appelé mon fils Olivier. Arabe? Ça m'a un peu interpellé, alors je lui ai dit, mais dis-moi. Il m'a dit, mais en fait, je voulais l'appeler Zitouni. Mais comme Zitouni en arabe, c'est l'Olivier, alors je l'ai appelé Olivier. Non, mais attends, tu le prends pour un âne? C'est grave, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui-même, déjà, il se sent mal à l'aise. Il dit, faut pas que je donne un prénom trop marqué à mon fils, sinon, parce que sinon, il s'intégrera pas. Oh, c'est ce qu'ils me disent, moi. Pourquoi tu l'as appelé Mohamed Amin, ton fils? Pourquoi tu l'as pas appelé un nom européen, style... Voilà. Kevin ou un truc comme ça. Ça veut dire que nous, on est rentré dans cette logique. Tu vois, c'est ça qui est grave. Mais mes racines, c'est là-bas. Mes racines sont là-bas. Tes racines, mais toi, t'es toujours été ici. Bah oui, mais bon, les racines sont là-bas quand même, gamin. Tu vas dire quoi sur l'Algérie? Que c'est un beau pays. T'as jamais mis tes pieds, t'as jamais été au bled? Que vive l'Algérie quand même. T'as jamais été au bled? Si, j'ai déjà été, mon gamin. En quelle année? Avant les émeutes, 88. Après les émeutes, non, j'avais pas tiré par balle, donc je peux pas y aller. Tu iras, toi, tu irais, franchement? Je vais tous les deux ans. Tu vas cet été-là? Tous les deux ans. Non, parce que j'ai un gamin, il est petit, je peux pas y aller, mais sinon j'y serai allé. L'année prochaine, tu y vas, Charles? L'année prochaine, j'y vais, Charles. Mais voilà, moi, demain, si ça se calme, moi, mon fils, il avait pas un an, il avait déjà mis deux fois ses pieds au bled. Moi, je suis né en France. Ça fait 35 ans que j'habite en France. Pour avoir un peu voyagé dans le monde entier, je te le dis, on est très bien ici. Faut le reconnaître aussi. Bien sûr. N'oublie pas nos racines. C'est vrai.
D'accord. Pour mieux pareil. Ça, on n'oublie pas nos racines. Parce que mon petit, il n'y a que quand tu regardes derrière toi que tu arrives à voir à peu près où tu avances. Mais moi, je te dis ce qui se passe là-bas. Ouais, on doit être solidaire. Oui, on est solidaire de ce qui se passe. Toi, tu dors avec ta grosse bedaine là. Tu dors et les autres, ils crèvent la dalle. Et ça, c'est acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Nous, là, ce qu'on entend, on entend depuis l'indépendance, on entend qu'il y avait le peuple français là-bas. Bon, les jardins étaient hauts, super beaux, ils étaient bien entretenus. Il y avait ce. Vas-y, il y a. Ça veut dire quoi il travaillait l'arbre, quand tu lui mets le bateau. Non, attends, faut pas confondre. Les colons, les jardins, quand ils étaient beaux, c'est qui les ont fait pousser? Peut-être c'est les colons. Je te parle pas de ça, je te dis de l'arbre, quand tu le tapes, et ben il te fait du bon travail. Quand tu le tapes, pourquoi tu veux le taper? Parce que quand leur tapait le bateau, quand leur mettait le bâton, ils tapent, ils travaillaient quand même. Mais faut pas dire que les gens ont travaillé au bâton. Comme j'entendais là, des fois le discours là, certains ici, ils m'ont dit quoi? Les Algériens, c'est des feignants. Si c'était feignant, on les aurait pas aimés ici pour faire des routes et faire des buildings. Donc ils étaient pas feignants. Ils sont venus pour travailler, ils sont venus pour gagner le pain. Il n'y en a pas un Algérien qui vous dise qu'il vient ici en vacances. Ils sont tous travaillés pour ça. Et ce moment-là, on travaille dur. C'est pas comme maintenant, il y a les machines. Avant, je travaillais dans le tunnel, c'est des embétonnières là où. Deux fois que je me trompe ou quelque chose comme ça, tu sais, ils montent sur le machin, ils me trappent là avec le. Oui. Mais je suis obligé à rester, même il me frappe ou il fait comme. Je dis rien. Il faut que je travaille. C'est un travail dur. Je vous dis, il y en a qui ont resté dans le terrassement, comme ça, trois ou quatre, devant moi. Je l'ai vu moi-même. Oui, ils sont morts là. Les jeunes de maintenant, ils veulent pas reconnaître toi. Tu as été sacrifié ta vie pour eux. Ils ont honte, ils disent oh, non, moi je ne suis pas l'Algérien. Pourquoi? Parce que maintenant ils rentrent, ils trouvent la table bien servie et tout ça. Ça y est, c'est fait. Même qu'ils changent de travail, ils changent de travail une fois, deux fois, et hop, laisse tomber. C'est ça les jeunes maintenant. Mais les gamins de nous, c'est la pauvreté totale. Même, je commence par mes gamins. Tu vas en vivre. Ah ouais. T'as sept mecs qui marchent. Ils ont tous les sept un survêt jaune, remonté jusqu'au mollet, parce qu'il faut qu'on voit la marque des chaussettes, il faut qu'on voit la marque des baskets. C'est rasé, tous les mêmes, tous pareils, et ils écoutent tous la même musique. Attends, c'est quoi ça? Alors d'un côté, t'as sept mecs habillés pareils, et de l'autre côté, t'as sept flics habillés pareils qui montent. Il y a des mecs, toute leur fortune, elle est sur eux. Sur sa montre à 10 bars, sur ses baskets à 1000 francs, sur son survêt à 1000 balles, tu vois? C'est inconcevable. Nous, on a porté des baskets, c'était des Bucks, des Adidas à deux bandes. Non, mais c'est vrai, en bois. Mais là, carrefour. Maintenant, un gamin, il aurait honte de sortir comme ça dans la rue. Tu lui dis, t'es français? Il dit non. Tu lui dis, t'es algérien? Il dit, non, je suis français. Faut savoir. Même son langage, il est ni de là, ni de là. Ni il parle français correctement, sujet, verbe, complément, il n'y en a pas. Ni il parle l'arabe complètement, correctement. C'est le langage schtroumpf. Langage schtroumpf. Bah oui, tu sais, les schtroumpfs. On va schtroumpfer, on va aller schtroumpfer en vacances, on s'est super schtroumpfé. Bah oui, pareil. Et quand tu lui parles arabe, il comprend pas. Et encore, on peut pas dire que l'arabe qui est pratiqué en Algérie, ça soit. Hein, parce que le tomobil et le vélo, on comprend à peu près tout ce que ça veut dire. Hein. Ils respectent rien, ni les parents, ni les adultes, ni la police. Mais attendez, qui c'est qui a produit ça? Moi, je veux dire, faut. Et puis surtout, ce que je veux. Moi, on me fait rigoler quand on dit on va supprimer les allocations familiales, comme ça les parents, tu verras, ils vont serrer les boulons, tout va rentrer dans l'ordre. Mais on se moque de qui? Les parents, ils ont passé 50 ans sur les chantiers, ils sont arqués, ils sont morts, les parents. Enfin, ils sont HS. Nous avons tous des enfants. Moi, du mien, il y en a un qui est dans l'enseignement, un qui est médecin. J'ai une fille qui est professeure à l'université, j'ai un technicien qui est un BTS en électrotechnique. Donc on peut dire que c'est des jeunes qui ont réussi, qui ont fait leur vie. Il y a une génération d'analphabètes qui a généré une génération d'intellectuels, de jeunes formés. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, on se retrouve en rupture avec les générations. Monsieur Bourova est contre le droit de la femme. Et c'est pour ça que je me dispute non, avec non, 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 je ne suis pas contre le droit de la femme. La femme a sa liberté, a son droit, a ses règles, l'homme c'est pareil. Il faut les respecter, c'est tout. La femme, c'est pas une esclave chez nous. Non. En islam. Ça fait qu'elle se révolte. Hein? Révolte, révolte.
quand je vois des filles, des femmes intelligentes qui conduisent le MiG-21, je dis chapeau. C'est l'intelligence algérienne. Je ne dis pas le contraire. Mais si une femme elle gouvernera l'Algérie, que ce soit président de la République ou bien premier ministre, jamais. Et pourquoi ça, jamais? Parce que... Non, moi, je veux des détails. Les détails, tu vas les comprendre. Ne m'énerve pas, parce que je ne peux pas te le dire. Mais les détails, il y a un mois où la femme, elle ne peut pas gouverner. Il y a 10 jours. Ça dépend 10 jours, 3 jours, 6 jours, 15 jours. Et si elle n'est pas nette pendant 6 jours, 6 jours-ci, qu'est-ce qu'elle va faire? La femme algérienne, elle peut gouverner. Jamais. Elle gouvernera. Inch'Allah, Inch'Allah. Dans 5000 ans. 500 000 sinon matin. Moi, je suis venue en France en 58. J'avais 16 ans. La guerre avait commencé en 54. C'est bizarre, mais pourquoi on s'est sauvé? On s'est sauvé des Français pour venir en France. C'est ça. Ben oui, mais comme on dit déjà, la France, c'est la terre d'asile. Donc, je suis mariée ici à Lyon. J'ai mis 5 enfants ici à Lyon. Et en 84, on a décidé, moi et M. Mikaoui, donc mon mari, de repartir en Algérie, de refaire la vie à zéro, parce qu'on en a marre de rester en France. On est loin de la famille, de notre maison. On a construit une belle maison au bled. Alors en Algérie, la chanteuse, elle est mal vue. Et pourtant, on ne fait pas quelque chose de mal. Au contraire, on donne des plaisirs aux gens. Quand on fait des galas, les femmes ne sortent pas, à part les mariages. Mais en dehors des mariages, il n'y a que les hommes qui viennent nous voir. Donc, il ne faut pas chanter pour les hommes. Une femme, elle devrait rester à la maison, se voiler. Et moi, je suis kabyle. En kabylie, on ne se voile pas. On est revenu en France en 93. On ne pouvait pas rester puisque je reçois des menaces à la maison. Faut arrêter de chanter. Un gala à l'Hbam Silel, il y avait quelqu'un qui est passé dessus la scène, il m'a tiré par la robe, et quand j'ai regardé en bas, il m'a dit comme ça, il m'a fait ça. Et le lendemain, je me suis voilée pour la première fois, j'ai été au consulat, j'ai demandé mon visa. C'était pas gay, hein, quand on est revenu. Hein. On a pleuré tous les deux dans le bateau. Ma Mercedes, je l'ai vendue à moitié prix. Tout ce qu'on a construit, on a laissé. Je voudrais bien sortir dans mon jardin, de ramasser mes tomates, de ramasser mes figues sur le figuier, de les manger comme ça, toutes fraîches. J'aime bien faire mon jardin comme j'ai l'habitude de le faire. C'est ça qui me tient à cœur. Bon, vas-y, projetons-nous dans 40 ans. Qui c'est qui se voit au bled finir ses vieux jours? C'est ce que je vais faire, je vais compenser. J'ai pas vécu quand j'étais jeune là-bas, je vais vivre quand je vais être vieux. On n'ira pas. Faut pas dire ça. Ouais, mais moi, je dis, écoute, terminer tes vieux jours dans une petite maison, là-bas au bled,
ouais, avec des oliviers. Tu sais le bruit là. Voilà. Les cigales. Voilà, moi c'est ce que je rêve. Le bruit des cigales. Ouais, écoute-moi bien. Ouais, avec un peu de cela et de l'huile d'olive, ça sera toujours 100 000 fois mieux que le vieux Chibani qui est ici avec sa gabardine en carton et qui rouille au foyer et il a 70 balais. Rentre chez toi, Hambouk, rentre chez toi. Vous espérez, j'espère avec vous, qu'un jour ou l'autre, on retourne tous en Algérie. On espère tout ça. يا تنكنا دشير زنا وانتيني غوقف الارواح يبقى على خير الغربة يتماتنا نمسمح نشحل قيزد غغدي اليوغ أصري غياب داشي تصارغان اسمنا خلاني بردانا الحد لاد تملالان سكر بوينا مية شرولة في القلص دي بويت نجمعانا يا تلكنا داشي زانا وانتيني أوقاب الأرواح أبقى على خير اليوم يا يتماتنا نمسى معانا